Chakshurumiritam jenam taisme shigulave namaham. Shri Chaitanya manobhistam stapitam henabhutale swayam rupa kadamayam dadati swam padam tikam. Vandeyam Shri Guru Shri Yukta Pada Kamalam Shri Gurum Vishnavamsham Shri Rupam Sagrajatam Sahagun Ragunatam Vitam Tam Sachivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagan Larita Shri Vishakam Vitam Sham. Hé Krishna Karuna Sindhu, Dina Bandhu Jagatpate, Gopesha Gopeka Kanta, Radha Kanta Namostute, Tapta Kanshana Gorangi, Radhe Vindavaneshvari, Prichabanu Sute Devi, Pranamami Hari Priye. Namo Mahavanyanyanya Krishna Prema Pridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Golatvitsehe Namaha Chayushi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shihadvaita Shigadada Shivasaji Gola Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devaye, Priyaye Keshava Sacha, Krishna Bhakti Prati Devi, Satyavati. Namo Nama Vanshakalpataru Bhyacha Kripa Sindhu Gai Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama. Donc on va lire un verset Shrimad Bhagavad Gita, deuxième chapitre, verset 29. Acharya vapachati kachidenam asyara vamvadachitate vachanyam acharya vachenam manyachotim shutvapnenam vedanam chevakachit. Certains voient l'âme comme une chose merveilleuse, d'autres la décrivent comme étant extraordinaire, d'autres encore en entendent parler et l'accepte comme étant prodigieuse. Cependant, il en est d'autres qui, même après avoir entendu parler, ne peuvent la comprendre. Commentaire. Selon Srila Ramanujacharya, parmi d'innombrables êtres vivants, rares sont ceux qui ont purifié par la dévotion au Seigneur Krishna toutes les réactions de leurs actes impies et qui ont accumulé suffisamment de mérites pour atteindre la réalisation spirituelle. Ceux-là peuvent voir la nature véritable en tant peuvent se, ceux-là peuvent voir leur nature véritable en tant qu'âme distincte de Dieu. Aussi, les âmes réalisées voient-elles l'âme, et ceci est incroyable pour eux. L'âme n'est pas seulement prodigieuse pour celui qui la perçoit, mais également pour le précepteur qui la décrit comme tel, et encore pour le disciple qui entend sur sa nature merveilleuse. Il n'y a rien dans l'existence matérielle qui puisse se comparer à l'âme, car elle transcende toutes les choses en ce monde. En conséquence, ceux qui la réalisent, ceux qui en parlent et ceux qui en entendent parler, et qui sont émerveillés par son sujet, sont rares sur terre. La plupart des âmes conditionnées qui errent en ce monde sont des êtres infortunés. Même après avoir entendu parler, ils ne peuvent croire en l'âme. Ceci est dommage, car la compréhension acquise qu'on est une âme spirituelle
et qu'on est différent du corps est une base primordiale pour atteindre la réalisation spirituelle. On va s'arrêter là. C'est très beau. C'est extrêmement beau. Vous vous rendez compte? Celui qui chante les saints noms sans offense, même une fois, il peut voir sa nature transcendantale. Et quand il la voit, Ramudacharya dit, il est émerveillé. Émerveillé, ça veut dire quoi? Que ça dépasse toutes les conceptions qu'on pouvait accepter ou imaginer. Même si on nous donnait, par exemple, des pouvoirs extraordinaires, par exemple pour un réalisateur de film, une imagination extraordinaire, si même on pouvait même se regrouper ensemble et mettre ensemble notre imagination, même si on pouvait prendre l'imagination des demi-dieux, même d'Indra, même de Brahma, tous ensemble, alors nous on est tout petits, hein, mais ça serait encore extraordinaire pour eux. Vous vous rendez compte? Voilà notre position. Mais comment c'est possible qu'on soit si loin de cette réalité? Vous vous rendez compte? Et c'est ça qui est incroyable, c'est que même en entendant parler de l'âme, de cette réalité, alors ça a le pouvoir de nous attirer. C'est pour ça qu'on est là. Alors bien sûr, l'idiot qui ne peut pas être attiré par l'âme, il dira, c'est comme l'enfant qui imagine des choses. Mais il y a un pouvoir d'attraction. Pourquoi ce pouvoir est là? Chatubhujapajante. Krishna explique différents êtres, Sukriti, accomplissent des actes pieux. Et ces actes pieux éveillent à la foi. Alors cet éveil, c'est, on peut imaginer quelqu'un qui sort d'un sommeil profond et qui s'éveille graduellement. Ça prend du temps. Y en a, ils doivent prendre une douche, manger. Pour, et encore, même encore sur le lieu de travail, quand ils arrivent, ils sont encore dans le sommeil. Il y en a, ça prend des heures à quitter le plan du sommeil. Eh ben, de la même manière, les actes qui nous touchent en relation avec le Seigneur, ils sont comme quelque chose qui nous appelle au loin. Ça nous sort de cette torpeur, de cette ignorance matérielle. Et graduellement, alors, on devient de nouveau attiré par Krishna. Et quand on entend sur Krishna, ça nous attire. C'est pas qu'on est des sots. Parce qu'un sot, lui, véritablement, quand il voit ça, il dit, ah, les idiots, ils perdent leur temps. Mais si lui-même, il avait été au contact. Des gloires du Seigneur suprême, alors il serait attiré. Donc c'est qu'une question de temps, tout le monde aura un jour cette expérience et sera attiré. Et en proportion qu'on est attiré, ça veut dire qu'en proportion que ces actes purifient notre cœur et nos sens, alors on trouve un goût de plus en plus merveilleux sur la nature de l'âme, sur notre nature. La nature de l'âme, ça veut dire cette relation éternelle qui nous est dit à Radha et Krishna. Par la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu et de ses dévots. C'est pour ça que, naturellement, il y en a qui seront émerveillés et il y en a qui seront véritablement pas attirés.
C'est pour ça qu'on trouve ces deux natures, asulik et devik. Asula, c'est quelqu'un qui n'est pas assuré, qui n'est pas attiré par cette nature. Au contraire, quand il entend parler de Dieu, c'est même possible que ça le mette en colère. Il peut devenir violent et faire du mal aux êtres finalement pieux. Alors que un dévot du Seigneur, lui, quand il entend parler du Seigneur suprême, alors il devient attiré, il arrête ses activités. C'est comme si que, ah, on m'appelle, j'ai ma place, je m'éveille, comprenez? Je suis ta vie vambale, j'ai. Je suis l'homme d'Achodagopal, je suis l'homme Dieu qui j'ai. Alors, ce sujet touche à une réalité aussi. C'est que quand on n'est pas assez éveillé dans la vie spirituelle, on fait ce qu'on appelle le prajalpa. Le prajalpa, ça veut dire qu'on va parler de tout sauf de l'âme. Quand des jeunes dévots sont assemblés ensemble, ils parlent de la vie matérielle. Et il ne parle pas de la vérité. C'est comme c'est expliqué, ces propos matériels, c'est comme les croassements des grenouilles. Ou comme le corbeau. Qu'est-ce que font les grenouilles? Quand il pleut, elles font, c'est la fête à la grenouille, on dit. Mais en fait, le serpent, il entend les grenouilles et il est attiré, il les mange. En fait, ce croassement, ces sujets qui sont pas liés au Seigneur suprême attirent la mort. Alors que les sujets qui sont liés au Seigneur suprême attirent l'éternité, éveillent l'être vivant. C'est pour ça, souvent les jeunes dévots, quand ils entendent à propos du Seigneur, puisque leur conscience n'est pas assez éveillée, ils semblent s'endormir toujours. Pour ça, dans une classe, par exemple, vous voyez des gens très éveillés et des gens qui dorment. Il y a les deux tendances qui sont là. C'est là qu'on peut voir la Sukriti des êtres vivants, leurs activités pieuses. Par contre, quand des bavardages inutiles sur les activités de tous les jours sont là ou des critiques, alors ils sont très réveillés, extrêmement réveillés, ils rigolent, ils sont ensemble, etc. Et dès que ça parle de Krishna, ça devient comme une sorte de punition. Mais en même temps, comme il y a un peu de Sukriti des vies passées, ils en ont aussi besoin. Parce que quand ils sont trop loin de Krishna, ils souffrent aussi. Mais quand ils sont trop près, ils souffrent aussi. Vous comprenez? Il y a une dualité en eux. Ils n'arrivent pas à complètement s'immerger dans les gloires du Seigneur suprême. Tout le monde a ça en lui. On souffre d'être loin de Krishna, mais quand Krishna nous appelle, on prend de l'écart. On est notre propre ennemi. C'est une réalité. Il faut observer ça en nous. C'est important. On doit observer, avoir une introspection, comprendre notre problème et prier au Seigneur Nitai, Nityananda, prier à Gadadhar, prier à Advaita, à Gaurachandra, à Shivas, Pandit et tous les dévots du Seigneur Mahaprabhu, prier leur mésier et corde pour qu'ils puissent nous aider à le dépasser. Ces problèmes-là, on ne pourra pas les dépasser par nous-mêmes, c'est pas possible. C'est extrêmement difficile. Mais si on a la bonne attitude et qu'on comprend qu'on peut recevoir de l'aide, on peut comprendre que Krishna est dans le cœur en tant que Rishikesh et qu'il a le pouvoir de contrôler nos sens. Hein? Alors, Ishvara Sarbhutanam. Alors,
On aura cette expérience que graduellement, si notre prière est sincère, alors on pourra dépasser les obstacles. Au début, on dépasse des obstacles grossiers. On a du mal à arrêter le chocolat, on a du mal à arrêter la cigarette. C'est le tout début, vraiment. On n'est même pas encore conscient des obstacles subtils. On est juste dans les obstacles grossiers. Et graduellement, on devient débarrassé de choses grossières. Et graduellement, on rencontre des obstacles subtils. Et l'obstacle le plus subtil, c'est le respect. On cherche le respect. Ça, c'est l'obstacle le plus difficile à dépasser. C'est très, très difficile. Le seul moyen, véritablement, pour dépasser, c'est de chanter et de servir les grands Vaishnavas. Si on sert Guru, Garanga, et qu'on chante les saints noms, avec le désir de devenir un serviteur du serviteur, alors cette expérience d'un monde supérieur viendra à nous, même dans ce monde. On aura une vision de quelque chose de supérieur. Et on pourra baser notre vie, naturellement, sur cette vision. Ça sera comme un phare. Si vous n'avez pas de modèle, vous ne pouvez pas diriger votre vie. On est bien d'accord. Par exemple, si les personnes qu'on suit sont violentes, comment on va devenir non-violent? Si les personnes qu'on suit, elles n'ont pas le bon respect, comment on va avoir le bon respect? C'est difficile. Donc, cette expérience de rentrer en contact avec quelque chose de supérieur va dépeindre dans notre cœur, va amener des impressions dans notre cœur, un désir d'atteindre cette plateforme-là. Alors, au début, le désir, il n'est pas pur. Il est toujours mélangé avec un peu de chercher du respect. Ça veut dire qu'on veut devenir un pur dévot, pas forcément pour plaire à Krishna, mais pour nous. Parce qu'on voit que quand un pur dévot est là, tout le monde fait attention. Quand un pur dévot est là, voilà, tout le monde est gentil, etc. Donc on ressent vraiment que c'est une position spéciale et on voudrait l'avoir. C'est comme quelque chose de matériel qu'on voudrait avoir. Donc tout est mixé. Mais graduellement, cet exemple qui vient à nous et qui frappe notre cœur va nous amener à avoir une méditation. Et ce souvenir d'un Vaishnav, c'est extrêmement puissant. Le souvenir d'un Vaishnav, c'est expliqué, peut détruire toutes les réactions de nos vies passées. Juste un souvenir intense d'un Vaishnav. Le souvenir d'un Vaishnav peut nous procurer la perfection, peut nous ouvrir le chemin du monde spirituel. Car celui qui se rappelle les dévots du Seigneur, il devient tellement cher à Krishna. C'est pour ça que, naturellement, si on se rappelle les dévots du Seigneur suprême, avec le bon respect, et surtout avec une sorte de repentir aussi, parce que on n'agit jamais bien envers les dévots. Donc on doit toujours chercher à améliorer notre relation. C'est pour ça que la méditation est très importante. Parce que l'association physique et le souvenir, c'est pas différent. Le souvenir d'un dévot et son association, c'est pas différent. Et donc, dans son association, parfois, on peut commettre beaucoup d'erreurs, dues à la pureté, justement, du dévot. On peut se mettre en colère, parfois. On peut, parce que les choses mauvaises dans le cœur peuvent sortir. Et donc, la méditation, naturellement, sur le Vaishnava, va nous permettre aussi de comprendre nos erreurs, de rectifier nos erreurs, de demander pardon et de prier Krishna de nous aider.
à avoir la prochaine fois une meilleure attitude. C'est très important. Or, naturellement, toute cette culture de la dévotion va nous amener naturellement à un jour, dans notre cœur, Krishna va nous révéler véritablement une relation d'amour avec la Vaishnava sur un plan supérieur. Parce que le plan spirituel, il se révèle de l'intérieur. Le Seigneur est dans le cœur. Les dévots du Seigneur sont dans le cœur du Seigneur. La demeure du Seigneur est avec le Seigneur. Tout est là dans le cœur. Tous les divertissements de Krishna sont là. Tous les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu sont là. Tous les divertissements, toutes les incarnations sont dans notre cœur. Tout est dans le cœur. Il peut se passer des choses qui sont inconcevables si le bon respect est là. Finalement, il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur. Mais pourquoi on a besoin aussi de l'extérieur? Parce que on a besoin de changer notre attitude. Et sans une aide extérieure, on ne peut pas comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est pour ça que Krishna Skaviraj Goswami explique que le Seigneur vient sous la forme des Vaishnavas. Et sous la forme des Vaishnavas, quand il parle, il entre dans notre oreille et dans le cœur. Ces propos à la gloire de Krishna ont pouvoir de nous éveiller. Et quand on s'éveille à la dévotion, naturellement, le désir d'aimer Krishna se manifeste. Et alors le Seigneur peut enfin réciproquer avec nous. C'est pour ça que c'est quelque chose de graduel. On parlait tout à l'heure de quelqu'un qui est endormi, par exemple. Comment on éveille quelqu'un qui est endormi? En faisant des gestes. Quand vous dormez, vous avez beau faire, vous affoler comme ça ne marchera pas. Par contre, si vous faites un bruit, vous claquez des mains, vous appelez, alors cette personne peut s'éveiller. Et bien, de la même manière, les propos à la gloire du Krishna éveillent l'âme. Or, ce verset explique que cet éveil-là nous amène naturellement à l'émerveillement. Dans ce monde matériel, on n'est jamais émerveillé. Où c'est très limité l'émerveillement qu'on peut avoir. Mais là, on parle d'un émerveillement total. Total. Krishna Suyasama Mayayam. Cet émerveillement, c'est comme quelqu'un qui est dans le noir. Et le soleil apparaît dans sa vie. Ça veut dire qu'il peut tout voir. Et à chaque instant, il est émerveillé. Au point que les gopis, quand elles parlent de Krishna, elles disent que celui qui voit Krishna, il ne peut rien voir d'autre. Celui qui entend la flûte de Krishna ou les clochettes qui tinte à ses pieds, il ne peut rien entendre d'autre. Celui qui sent le doux parfum du corps de Krishna, il ne peut rien sentir d'autre. Il est comme envoûté, prisonnier de ces choses tellement merveilleuses. Mais les gopis, elles disent aussi que quelqu'un qui ne peut pas entendre cette flûte, ces trous dans les oreilles, c'est comme les trous des serpents. Comme on dit, elle montre l'infortune de personnes qui ne peuvent pas entendre les gloires du Seigneur suprême. Parce que tout repose, l'éveil de la vie spirituelle repose sur l'écoute des gloires du Seigneur suprême. Alikata. C'est le moyen de s'éveiller.
Et c'est le moyen de rester éveillé. Vous comprenez? C'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que ces gloires-là, elles sont pratiques aussi. Dans le sens qu'elles nous donnent aussi une méthode, Vedibhakti, pour pratiquer et pour progresser. Qu'est-ce qu'on apprend, les associés du Seigneur? On apprend comment se réveiller. On apprend comment se laver. On apprend à mettre un tilak, les 12 marques, hein, du Seigneur suprême sur notre corps. Parce que le corps est un temple, le Seigneur est dans notre cœur et on est son serviteur. On apprend à comment offrir des prières au maître spirituel, hein, au Panchatattva, Radha et Krishna, à Tulasi Devi, à Shinishinga et d'autres encore. On apprend naturellement la bonne attitude favorable pour après chanter les saints noms. Et alors, quand on chante, naturellement et graduellement, il y aura une expérience du bonheur. Il y aura une expérience que la véritable nourriture est spirituelle. L'âme a besoin d'une nourriture spirituelle. Sans cette nourriture qui est le chant des saints noms, qui est la miséricorde, hein, du maître spirituel, alors on ne peut pas trouver satisfaction véritablement. C'est pour ça que, bien que différents êtres ont éveillé différentes consciences de Dieu, dès que les activités, hein, liées au Seigneur touchent l'être vivant, alors il s'encadre chez lui d'une pratique spirituelle. Pourtant, les voisins ne pratiquent pas. Dans l'âge de Kali, personne ne pratique. Mais pourquoi lui, il pratique? Pourquoi? C'est dû à des activités passées. Il ne peut pas faire autrement. Parce que, dû à cet éveil, l'âme a besoin de nourriture. Vous comprenez? C'est plus simplement le faux ego qui recouvre complètement l'âme et qui lui fait penser simplement qu'il a besoin d'une nourriture matérielle, à manger pour la bouche, des sons matériels pour les oreilles, des senteurs pour le nez, de l'activité sexuelle par exemple. Mais là, l'âme s'éveille et demande quelque chose. Elle a besoin de ce lien avec Dieu. C'est intéressant. C'est pour ça qu'on fait ça. Parce que quelque chose au fond de nous nous appelle. Ça peut être loin ou ça peut être très proche. Mais on se sent obligé de le faire parce que ça devient vital en nous. Ça devient important. C'est quelque chose qui fait partie, en fait, véritablement de nous. De la même manière qu'on prend de la nourriture. Mais de la même manière, à un moment, le chant des saints noms va nous apporter une satisfaction. Et la différence, c'est que, à force, cette satisfaction pour l'âme sera plus grande que pour la nourriture. Et on pourra passer plus de temps, beaucoup plus de temps, à chanter, à pratiquer. Et un jour, alors l'émerveillement va commencer à venir. Et là, plus rien ne pourra se comparer à la nourriture de l'âme et à l'émerveillement. Plus rien. À partir de là, alors on sera fixé dans le service de dévotion. Il n'y aura plus de haut et de bas. On sera régulier. Et on pensera, la dalam, dalam, la sundalim, on pensera que peu importe ce qui peut venir à moi, j'ai plus de goût pour ça. Simplement, j'aspire
à ton service. Voilà ce qu'on pensera véritablement. Un jour, ça sera en nous. C'est juste question de temps. De la même manière, il y a un an ou 2 ans, on avait du mal à chanter. Aujourd'hui, on chante plus. On a moins de mal. Mais alors, ça veut dire que dans un an, on aura encore moins de mal si on fait pas, si on n'offense pas les vaginas. Et dans 2 ans, encore moins de mal. Et ça veut dire qu'à un moment, il y aura une facilité, il y aura un désir, et il y aura véritablement un besoin. Et un jour, on aura le besoin d'aimer Krishna. On aura besoin d'être avec lui. On pleurera et un jour, on pourra être introduit. C'est graduel. C'est comme quelqu'un qui s'éveille, ça devient agréable, ça devient vital. Et après, quand l'expérience de Krishna vient, on peut plus s'en passer et on pleure pour être avec lui. Et après, on est avec lui. Voilà, c'est tout ce qu'il dit. On reprend naissance, hein, dans la demeure du Seigneur, dans ses divertissements, et après c'est fini. On y reste à jamais. On pourra même plus se souvenir du cauchemar du monde matériel. Ce sera fini. C'est comme on s'éveille. Vous savez, c'est comme un. Il reste des choses. Ça veut dire que parfois un cauchemar, ça reste après nous. On se dit, ah, oh, mince, c'est dur, ah, oh, c'est dur, c'est dur. On essaie d'y échapper. Et puis à un moment ou à un autre, on se décolle, on se décolle. Parce que le fait de chanter procure la satisfaction à l'âme. Donc graduellement, on commence à percevoir les relations différentes dans ce monde. Parce qu'il y a une satisfaction qui est là. Donc quand une satisfaction est là, naturellement, on ne peut plus percevoir les choses de la même manière. Ils ne nous embêtent pas de la même manière. Ils ne vont pas nous faire souffrir de la même manière. Et quand cette satisfaction de l'âme va monter, 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 alors les choses extérieures ont de moins en moins de pouvoir. Vous comprenez? Au point que quand on va chanter, on n'aura pas le souvenir de ce monde. C'est là qu'on peut chanter véritablement pur, de façon pure. C'est graduel. Petit à petit. Bon, on va s'arrêter là.